Rechecouille. Bon ben, on essaie de faire un grand truc aujourd'hui, mais on sait pas quoi. Une belle journée, j'ai toutes les GoPros, ça... Putain, ça va être le bordel. Allez, donne-moi une petite brisouille là de face. T'as vu la finesse des petits pas là? On dirait un lapin. Voilà, c'est ici que ça enroule. Normalement, pile. Allez, Sarah, au déco! Eh ben, ça se fait secouer ou quoi? Oui. Déjà rejoint par Chama, il est là, c'est incroyable! Wouhou! Yes, c'est magnifique! Allons voir du côté de la porte et ça déjà. Bah vu ce qu'elle est en train de choper Sarah, j'ai bien envie d'avancer vers Tougnette, du coup cette trombe là elle a l'air pas mal. Là. Qu'est-ce que t'en dis? Youhou! On est pas bien là! 3600 mètres! Et là on part tout droit vers les Val Thorens. On fait 35 en vallée. Là on est à zéro. Eh putain, tu planes toi mon cochon là! Ouais, bah t'as beau pousser du barreau, tu restes quand même vachement haut. Ah, ça rime, tiens. Ouais, j'ai un petit truc un petit peu serré là, mais si j'arrive à le centrer, je peux peut-être remonter pas mal. Sec et dynamique, c'est le matin, c'est normal. Bon, il est 13h, mais. Yo, 3000 de nouveau, au-dessus de Valto. Ah non, Valto, c'est là en fait. Là, c'est les menhirs. Allez, j'avance. Allez, c'est un peu perturbé, mais c'est pas grave. Putain, y'a un truc fort là. Y'a un truc fort pas mal. J'entends ce doubi bip qui fait plaisir. De Dieu, c'est à Maurienne juste derrière, c'est à Maurienne. Putain, le plaf, mon gars, le plaf. 3007. Je reviens vers la Solire et on peut repartir vers les Arcs si on veut, si on essaye. Et moi, c'est à 3003, c'est du Mont-Joville, vers vous. Allez, je fais un petit tour pour le plaisir. Panorama. Voilà, on était là-haut tout à l'heure, on était quasiment au-dessus des glaciers là-haut, Valto. Là c'est Meribel, il y a Chama qui est juste en bas, là normalement il va se reprendre peut-être, il essaye. Il y a Sarah qui est déjà partie vers le Mont Blanc, et moi je vais essayer d'aller la rejoindre, c'est pas gagné. Bon allez, hop, c'est parti vers Porteta, yo. Ça avance, on avance tranquillement, là j'ai fait le tour parce qu'il y a le parc de la Vanoise là. Et voilà, Pralognan la Vanoise. Ville olympique, le grand bec en face, la grande casse, magnifique. Allez, on rentre dans l'influence du thermique face est. Chama, il va poser, il est là-bas. Ouah, c'est quoi ça? En tout cas, je suis content de venir à 3008 de porte. Je suis repassé sous 2005, je suis 2003 là, c'est nul. Même pas sûr de pouvoir traverser au-dessus de la dent. Hein. Bon, j'ai repris 250 mètres. Mais c'est pas ouf, sans face ça va être tendu. Casse-croûte, tranquille. Ah mais putain, il y a du vent déjà d'ouest là qui rentre, qui nous casse les couilles. Putain, je la connais bien cette forêt, c'est la maison. Quand c'est comme ça, c'est pas facile. Quelle merde, y'a que dalle. Et ben voilà, un petit tour au déco, c'est là qu'on décolle d'habitude. Je suis trop bas, je suis dans la couche d'inversion, comme ils disent. Elle était censée péter à 13h30, en fait rien du tout. Elle est encore là. Y'a 1500 mètres. Ça travaille à l'est. Ça tenouille, ça frisouille. J'ai envie de sortir avec un gros cycle, moi. Oh, des arbres. Oh, un mec en vélo. Je vais me cacher sous le vent. Je vais tenter une option couillue. Champagne en bas. Et moi, je monte en haut. Ouais, j'essaye du moins. Ouah. Ça se renforce. C'est bon signe. Ah bah, mon de la guerre, vu la bataille que j'ai menée pour ressortir d'en bas, là, on va dire qu'il porte bien son nom. Hein. Allez, encore un peu. 2008. Et allez, ça repart. Wow. Il y a encore du bordel, là, ici. Roche de Mio, en général, c'est un tremplin stratosphérique. Tu te poses pas la question. T'y arrives et ça t'envoie. Bon ben là je vous la fais courte hein. Mais ça c'est le sommet de Bellecôte. Et c'est à 3350 mètres. Et là ça monte encore des briques hein. Et de retour sur les sommets.
7, ça bip encore. Ah ben voilà qui est intéressant. Là, on est au plafond. Bellecôte paraît tout petit. 3008, mon copain, 3008. Ça part direct vers le Beaufortin, on passe pas par la case des arcs. C'est straight in the middle. J'ai déjà été là-bas. Là, tout droit au milieu, jamais. C'est la découverte. Suivons les oiseaux, ils sont souvent de bons conseils. Enfin bon, là-haut, clairement, les gars, vous battez les ailes, là. Il y a de la triche un peu dans l'air, hein. Là, un petit truc, là. Le canyon, là. Oh là là, il y a des changements de brise, là. Je comprends pas grand-chose. Royal Hobart. Oh bah là, je suis bien, là. Je suis bien au fond du Beaufortin, là. Putain, 1700 mètres d'altitude, trois fois rien, des petits péteux, là. Ah ben ça a bien servi à quelque chose que j'arrive à 3000, à 2005 au-dessus de Fort 2000 là. C'est, là je suis à 1006 là, voilà, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Voilà, ça montouille hein, mais ça casse surtout les couilles. Bon, je crois que je vais faire un pari osé. Je m'avance, je prends un peu de hauteur. Je passe là-haut. Là, les falaises et tout là, ça... Il y a peut-être une chance que je me refasse là. Allez, j'y crois. Dernier espoir avant d'aller atterrir Bourg-Saint-Maurice. En attente. Stand by. Ah là, ça donne un peu, ouais. On ragasse tout ce qui passe, on prend chaque mètre avec grand plaisir. Ah, c'est la merde. C'est la lutte finale. Bah, j'espère pas, sinon ça veut dire que je rentre à pied. Oh là là, faut réfléchir aujourd'hui, hein. Oh, j'ai trouvé un truc sympa, là. Là, j'ai trouvé un truc sympa, j'ai gagné une petite bataille. Hop. Oh, putain, ça fait du bien, dis donc. Je vais tenter le tout droit sur le truc. Là, il y a un vautour magnifique à gauche. Oh, ils sont beaux, les petits. What? Oh, mais la famille de vautours. Incroyable. Un vol de vautours comme ça, en cours, c'est pas tous les jours. Salut les potes. Vous aussi, vous allez à Mont Blanc? Oh, ils passent tout droit, ils sont chauds. Non, mais si là, ça passe, là, je suis refait. On y croit, le petit appui. Oh, oui. Wouhou ! Allez. Il me reste 10 minutes avant de faire demi-tour. Le principal, c'est d'avancer. Ici, c'est cartouche. Cartouche, comme d'hab. Ouais, c'est par là que je veux aller. Faut avancer, faut pas reculer, Mickaël. Je passe un 3005 et après je peux me jeter sur l'aiguille des glaciers. Non, je sais pas, je peux pas y arriver là. À moins de taper peut-être l'arête là, mais... Ah, ça se tente peut-être par le bas. Ah, j'avoue, il y a peut-être une option par le bas. Betclic, va-t-il y arriver? Mettez dans les commentaires si vous pensez que j'y arrive pas. Je pense que vous serez plus nombreux à dire que je vais y arriver. Mais c'est sans compter sur mon inexpérience à ce niveau-là. Et puis au pire, si je me vache en bas, je pourrais toujours manger du fromage. Allez, concentrate. Oh, il y a un vautour encore qui m'indique la voie. Oh, vous êtes cool en ce moment, les vautours, avec moi. Watatatatatatata. Ok, j'en suis sorti par l'avant, c'est pas grave. Allez, on se remet dedans, c'est la seule manière de sortir. Non, il y a rien. Oh, mais je sais pas où il est. Oh, putain, je suis passé sous le vent. Oh, bah voilà. Oh, bah là, c'est mort. Oh, ça tabasse. Attention, ça tabasse. Putain. Adieu, l'aérologie ici, c'est pas un cadeau, hein. Oh, c'est beau là. Waouh, la roche de malade mental. Non, on ferme. Voilà. Ça c'est un moment, voilà. C'est un moment crucial dans un vol comme ça. Ah, enroulé sous le vent, quelle merde. Allez, ça vole. Les abdos en feu. Ça se tente, c'est calme de l'autre côté, c'est calme. Ouah. Influence de colle. Allez, c'est parti. Allez, avance. Wouh. Putain, c'était chaud. Waouh, le glacier de malade mental.
Allez, gros plaf, aiguille des glaciers après retour. Le Mont Blanc, c'est pas pour aujourd'hui. Il se fait dégommer dans du nord-ouest. Aiguille des glaciers, sommet. C'est vraiment beau vu d'en haut. Putain, quand t'es en bas, tu marches et tout. Bon, c'est beau. Mais alors là, là, c'est autre chose. Allez, bye bye la Haute-Savoie. Direction la maison. Je sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, je suis à la bourre. On peut jouer à chat perché, là, y'a pas de soucis, je gagne. Bon, on s'amuse comme on peut. Hein. Vivement qu'on soit à la maison, putain, vivement qu'on soit à la maison, c'est moi qui te le dis. Et allez, si on est dans la dégueulante, un petit peu l'accélérateur. Ça permet de décaler les suspentes, les avant, les milieux et les arrières. Et tac, y a l'aile, elle avance plus vite. Allez, aiguille grise. Il y a des petites bulettes qui passent, mais rien d'établi. 2009, c'est pas assez pour partir. Putain, si j'arrive à raccrocher là comme d'habitude. Je serais content, je serais très content. Il va bientôt falloir livrer la dernière bataille. Celle pour repasser du bon côté de la vallée, de l'autre côté de cette crête là-haut. On revient de loin les copains. Ouais. Ça donne pas envie de poser en bas là. Bah, si t'as pas envie de poser en bas, n'y va pas. Passe bien, je peux retourner dans ma vallée. Au pire, ce sera Champagny de haut. Et il y a du sud là, c'est fou ça. Allez, 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 allez. Avanti tutti, avanti tutti. A plus dynamique, s'il vous plaît. Ah putain, y a rien. Au-dessus des câbles, ok, au-dessus des câbles. Pff. Au-dessus du télécabine, au-dessus du télécabine. Allez, je me fais dégommer, je suis pas. Là, je dois réussir à traverser dans le verrou. C'est parti. Attention, ça va claquer des fessiers. C'est tendu, j'avance un petit peu mais pas beaucoup. J'ai déjà bouffé pas mal de gaz, je fais beaucoup descendre surtout. C'est passé mais c'est passé juste. Dynamique fort, avec un petit peu de thermique de temps en temps, là, boum 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 boum, tu vois. Est-ce que ça vous plaît les épisodes de parapente? La ligne droite jusqu'au sommet là. C'est un truc de malade. Toute l'arête là, voilà. One shot. Et ça sent bon pour le grand bec. Le grand bec, majestueux, splendide. J'ai toujours parmi mes gants, merde. Bon, ouais. Et bah tu vois, là ça c'est franc, ça c'est du thermique. Tu sais si t'es dedans. Bon allez, voilà. Et ben, allez, avance au milieu là, fais pas de la merde. Et voilà, Grand Bécos. On est venu dans un épisode ici, saurez-vous reconnaître lequel? On était monté par là, là, droit dans les falaises. Là. Ouais, on était un peu inconscient, j'avoue. Et ben ça y est, ça sent la fin, les copains. J'ai fait Grand Bec, tout va bien. Il est 7h05, il est temps d'aller se reposer. Faut que j'aille boucler le triangle. Plus je me rapproche du point de décollage, mieux c'est. Et après, je vais aller faire des grands wings au-dessus de Moselle. Oui. Mon premier 110 km! Wouh! Je me suis même pas arrêté pisser! Ouais, mais attends, parce qu'on m'a appris un truc, attends, je vais faire un autre truc. Ah!
Wow. Attention, ça part en reculons. Hop là. Putain, c'était beau ça. Yes. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai été tout seul pour voler parce que les autres ils sont pas là. Mais je me donne. Vous avez vu comme je me donne? Et je suis content parce que j'ai réussi à atterrir correctement. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante à la fin d'un vol. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et merci. Petit pouce vers le ciel bleu pour exciter l'algorithme. Il nous casse les couilles en ce moment l'algorithme. Vous avez le droit de prendre des vacances aussi. Arrêtez YouTube, arrêtez de regarder tout ça.